Bonsoir à tous, il est 19h, bienvenue sur Al24 News, l'essentiel de l'actualité de ce mardi. De grandes manifestations ont arpenté hier et aujourd'hui les rues de plusieurs villes marocaines. Éthiopie, la capitale Addis Abeba, menacée. Le Premier ministre Abiy Ahmed annonce sa mobilisation sur le front. On en parle dans un instant. Présidentielle en Libye, au lendemain de la date de clôture des dépôts de dossiers, 98 candidats se sont déclarés. Au Chili, José Antonio Kast et Gabriel Boric se disputeront la présidence lors du second tour. Ces élections ont été des plus conflictuelles depuis le retour du Chili à la démocratie en 1990. De grandes manifestations ont arpenté hier et aujourd'hui les rues de plusieurs villes marocaines. La monarchie est confrontée à l'une des pires crises de son histoire dans un contexte pavé par la montée en intensité du conflit au Sahara occidental et par la visite controversée du ministre de la Défense de l'entité sioniste au Maroc qui va débuter dès demain. Retour sur le contour de la crise avec Sofiane Barouti. Un grand mouvement populaire secoue le Maroc. De grandes manifestations ont parcouru plusieurs villes du royaume ces derniers jours. En cause, les conditions sociales catastrophiques, dues notamment à la terrible crise économique qui tétanise la monarchie. Les chiffres de la pauvreté, déjà endémiques, ont explosé depuis la pandémie, en corrélation avec ceux du chômage. Le nouveau Premier ministre, Aziz Arnoush, est déjà très décrié. Connu pour sa proximité avec les milieux oligarchiques, ce dernier peine à remonter la pente d'une impopularité clivante. Rappelons que des dizaines de prisonniers politiques, militants, journalistes et activistes continuent de croupir dans les prisons marocaines. Le Merzen continue sa sale guerre contre le peuple du Sahara occidental à coups de drones bombardiers turcs et israéliens, employés contre des civils et de violations récurrentes des droits humains dans les territoires occupés à Dakhla, comme à Laayoun, sous blocus militaire. La visite très controversée du ministre de la Défense de l'entité sioniste, le général Benny Gantz, qui s'envolera demain pour Rabat, provoque déjà beaucoup de réactions. La coordination marocaine contre la normalisation brandit la menace de la mobilisation pour manifester l'indignation populaire contre ce pas clairement hostile à tous les peuples de la région. L'objectif de cette visite est l'approfondissement de la coopération sécuritaire et militaire entre la monarchie et l'entité sioniste. Autant dire qu'il s'agit là d'une alliance coloniale déjà ancienne, enfin assumée au grand jour au détriment des peuples de Palestine et du Sahara occidental. C'est dans ce contexte explosif que le chef de la diplomatie marocaine s'est rendu à Washington, où il n'a pas obtenu grand-chose de l'administration Biden, qui a reconduit son soutien à Staffan de Mistura et à la mission onusienne pour une solution conforme au droit international, seule issue à la résolution du conflit au Sahara occidental, qui menace de s'intensifier et d'embraser toute la région à l'ombre du délire expansionniste d'une monarchie dépassée par les événements. Et cette information qui vient de nous parvenir, corruption, le Maroc a payé cher son adhésion à l'Union africaine en versant des pots de vin colossaux à des diplomates africains avant son adhésion à cette institution. Plus de détails avec Sofiane Barouti. La monarchie a versé des pots de vin pour son adhésion à l'Union africaine. Des documents révélés par Maroclicks montrent par quel procédé la monarchie a recouvert son siège dans l'organisation continentale en 2016. En effet, ce retour à l'Union africaine pose des questions au vu de l'antagonisme flagrant entre la politique coloniale de la monarchie marocaine et la charte de l'organisation continentale. Le Maroc a ainsi réussi à obtenir des soutiens pour son adhésion à l'Union africaine grâce à des actes de corruption caractérisés, ce qui n'est pas une première. On se souvient du paiement de journalistes pour redorer l'image de la monarchie. Comme en témoigne clairement le contenu des documents de l'enquête, on peut voir les courriers d'un diplomate marocain qui semble avoir réussi à mettre en place un réseau de relations en coulisses à chaque sommet de l'Union africaine. À travers ces courriers, qui ont été envoyés par la suite à son patron à Rabat, on apprend que, au moins à une occasion, de l'argent liquide a été remis à certaines délégations, mais aussi que des dossiers internes de l'Union africaine ont été livrés à des responsables marocains. L'adhésion du Maroc à l'Union africaine a été donc le résultat d'une politique de lobbying dans laquelle une campagne de corruption omniprésente a été au cœur du procédé.
Comme le montrent les courriers, c'est Mouhat Agma, directeur des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères du Maroc. Ce dernier a écrit, concernant les préparatifs du sommet d'Addis Abeba, je cite, « des enveloppes individuelles de 5000 euros pour chaque ami », fermez les guillemets. Et il liste les amis, qui représentent les délégations des pays suivants. Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Gabon, Burkina Faso, Bénin, Togo, Comores, Djibouti, Niger, Cameroun, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Tchad, Sierra Leone, Libéria, Somalie, Soudan, Madagascar, Malawi, Maurice, Seychelles, Mali, Érythrée et Mauritanie. Voilà donc un autre scandale qui éclabousse la monarchie marocaine dans un contexte particulièrement critique pour la stabilité du trône rompu aux pratiques mafieuses. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed annonce sa mobilisation sur le front pour mener les forces armées contre les rebelles du Tigré. Une déclaration faite au moment où la capitale Addis Abeba se voit menacée. Mohamed Amin Aberkan. Il dit vouloir aller au front. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a brandi lundi la menace d'une possible représaille à l'encontre du Front de libération du peuple Tigré, alors que le conflit se rapproche de jour en jour de la capitale Addis Abeba. À l'issue du comité exécutif du parti au pouvoir, le Parti de la Prospérité, sur le conflit en cours, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a réagi dans un message Twitter posté hier lundi et où on pouvait lire « À partir de demain, je serai mobilisé sur le front pour mener les forces armées. Ceux qui veulent être parmi les enfants éthiopiens qui seront salués par l'histoire, levez-vous pour le pays aujourd'hui. Retrouvons-nous au front. » Déclenchée le 4 novembre 2020, la guerre entre les autorités éthiopiennes et le Front de libération du peuple Tigré, soutenu par l'armée de libération Oromo, n'a toujours pas dit son dernier mot, au moment où des milliers de personnes ont été tuées par ce conflit et fait déplacer plus de 2 millions d'Éthiopiens. Des déclarations d'Abiy Ahmed très attendues au moment où les membres du Front de libération du peuple Tigré affirment progresser vers Addis Abeba, revendiquant le contrôle de Shewarobit, ville située à environ 220 km de route au nord-est de la capitale. Les autorités n'ont pas répondu à une demande de commentaire sur cette revendication. Impensable, il y a quelques semaines, la chute de la capitale Addis Abeba est désormais envisagée par de plus en plus d'observateurs. À la guerre s'ajoute une crise humanitaire aiguë, tandis que la communauté internationale peine à imposer une solution négociée. Soudan, plusieurs hommes politiques détenus depuis le 25 octobre passé ont été libérés hier. Une libération qui intervient après les accords signés entre le général Al-Burhan et le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. Plus de détails avec Amin Tota. Après l'accord conclu dimanche entre la composante militaire et le Premier ministre réintégré Abdallah Hamdok, les autorités militaires ont procédé hier à la libération de prisonniers politiques détenus depuis le coup de force du 25 octobre. Il s'agit de personnalités importantes du paysage politique soudanais. Une première depuis la réapparition de Abdallah Hamdok. Le Premier ministre était arrêté puis placé en résidence surveillée avant d'être réhabilité à nouveau suite aux accords conclus il y a 2 jours. Abdallah Hamdok a signé avec le général Al-Burhan 14 clauses qui prévoyaient principalement son retour au poste de Premier ministre et la libération des responsables civils détenus. Une étape importante vers l'accomplissement de la transition politique tant attendue par tout un pays, notamment après les développements de la situation dans la rue soudanaise qui a connu des scènes de violence inouïe depuis le 25 octobre, date à laquelle le général Al-Burhan a pris les rênes du pays et a annoncé la dissolution des institutions et l'établissement d'un état d'urgence. Tunisie, le gouvernement décide d'introduire le pass sanitaire dans les établissements d'enseignement uniquement, une mesure mise en place pour faire face à la recrudescence mondiale de la pandémie du Covid-19. Elle entrera en vigueur le 22 décembre prochain. Nailat Hamouda. Le pass sanitaire sera bientôt obligatoire dans les établissements d'enseignement tunisiens. Le ministère tunisien de l'Éducation a annoncé lundi la mise en place d'un pass vaccinal pour entrer dans les locaux du ministère et les établissements d'enseignement public et privé. Visés par cette nouvelle instruction, les travailleurs, visiteurs, accompagnateurs ainsi que toute personne de plus de 18 ans, et ce à partir du 22 décembre prochain, conformément aux dispositions du décret présidentiel relatif au pass vaccinal.
Le ministère a précisé que la vaccination doit être effectuée au moins 7 jours avant le 22 décembre, dans le cas d'une vaccination à deux doses ou après la première dose pour les personnes qui ont été antérieurement infectées par le virus. Et pour les personnes vaccinées avec un vaccin à dose unique, la vaccination doit être effectuée au moins 28 jours avant le deadline. Le refus de présenter le pass sanitaire aux agents affectés au contrôle entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire conformément à la législation en vigueur, explique une circulaire du ministère de l'Éducation. Au total, la Tunisie compte plus de 716 000 cas confirmés de Covid-19 et pas moins de 25 000 décès depuis l'apparition de la pandémie dans le pays en mars 2020. Le taux de positivité des tests, quant à lui, a atteint les 2,42%. Et pour faire face à une éventuelle nouvelle vague de Covid-19, les campagnes de vaccination se multiplient. Dans le sillage de la situation sanitaire, la Tunisie a reçu un don américain de 336 000 vaccins. Il s'agit du quatrième don direct de vaccins, portant le total des vaccins accordés par les États-Unis depuis juillet à plus de 2 millions de doses. Présidentielle en Libye, au lendemain de la date de clôture de dépôt des dossiers, 98 candidats se sont déclarés. Parmi eux, Khalifa Haftar Saif al-Islam, le fils de l'ex-président déchu Muammar al-Qaddafi, l'ex-ministre de l'Intérieur Fethi Bachara et le chef du gouvernement intérimaire Abdelhamid Dbeibah. À quelques jours de l'élection, y aura-t-il un homme du consensus en Libye? Leïla Guertal. Il est vrai que sur les 98 candidats à la présidentielle, il est très difficile pour les Libyens de choisir leur candidat. La liste comporte plusieurs noms anonymes et méconnus sur la scène politique en Libye. Il n'empêche que le choix sera toujours aussi difficile pour les noms en vue, comme celui de Khalifa Haftar, de Saif al-Islam ou encore du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah. Trois hommes aux antipodes les uns des autres sur tous les plans. Le rendez-vous électoral du 24 décembre reste flou dans la mesure où il ne permet pas réellement de voir qui sera l'homme fort de la Libye. Ceci d'une part. D'autre part, les résultats de ces élections risquent d'être le reflet manifeste de la situation sur le terrain, c'est-à-dire que les résultats risquent d'alimenter et de renforcer des dissensions déjà existantes sur le terrain. Dans une Libye allant des clivages régionaux aux divisions politiques et régionales, sans parler du sens tribal très présent dans ce pays. Ce scrutin pourrait accentuer les divisions sur le terrain au lieu de les absorber. Il ne peut émerger un président du consensus dans un pays où les sympathies politiques sont plutôt régies par des critères sociaux régionaux. La question libyenne sur la table aujourd'hui et demain du Conseil de sécurité onusien. Et pour parler justement de la question libyenne, nous avons avec nous Rafa Tabib, professeur universitaire et spécialiste des questions libyennes. Bonsoir, monsieur Tabib. Les élections libyennes. Alors, à moins d'un mois du rendez-vous des présidentielles en Libye, quelle vision politique émerge? Les élections libyennes se présentent sous ces désaugures et assez floues pour l'instant. Il est vrai que la cascade de candidatures et la centaine de personnes qui sont présentées ne représentent pas vraiment l'ensemble du spectre politique et surtout social en Libye. Il faut souligner que toutes les personnalités les plus en vue dans ces élections représentent certes leur région, leur tribu, leur milieu, mais malheureusement, elles sont refusées dans les autres régions du pays. Dbeibah est refusée dans la région est et sud du pays. C'est la même chose pour Ahmed Bettig. Et de l'autre côté, nous avons Haftar qui est refusé dans la région ouest et Saif al-Islam aussi. Donc, il s'agit d'élections dans lesquelles il n'y a pas un véritable accord sur les noms ni sur les partis politiques. Mais il va falloir attendre l'acceptation des dossiers pour pouvoir trancher. Ce qu'il faut dire dès à présent, c'est que ce seront des élections oui. Mal organisées. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas... Monsieur Arafat Habib, pensez-vous que les Libyens peuvent se mettre d'accord sur un seul homme? Est-ce que cela semble possible? Est-ce que cela semble difficile? Le problème n'est pas de parvenir à une majorité. Le problème, c'est que vous pouvez obtenir 90% dans votre région et 0% dans l'autre région. Donc, au lieu que ces élections ne parviennent à résoudre le problème de l'unité du pays et de sa souveraineté, on va aller vers des élections qui vont diviser le pays. Il est là le problème de la Libye. C'est un vrai dilemme démocratique.
parce que les Libyens vont choisir de manière massive dans certaines régions et refuser dans d'autres. Et donc vous aurez un élu, même s'il a 50% plus 1 ou même plus, il sera mal élu dans tous les cas de figure. Et donc, au lieu que ces élections ne participent à une meilleure unification très, du pays, très bien, très bien. Rafat Habib, merci beaucoup, Monsieur Rafat Habib. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire, pardon, et spécialiste des questions libyennes. Vous étiez en direct avec nous de Tunis. Deux personnes sont mortes et sept autres blessées dans un affrontement au Mali, à Tombouctou, des affrontements intercommunautaires qui ont engendré une intervention militaire. Mohamed Amin Abelkan. C'est une nouvelle série de violences qui touche Tombouctou, au nord du Mali. Les affrontements survenus ce week-end ont opposé dans un quartier de la ville malienne les communautés arabes aux sédentaires noirs. Un accrochage violent qui fait suite à l'assassinat d'un sédentaire dans son échoppe. Le dernier bilan fait état de 2 morts et 7 blessés, dont 4 graves, selon la commission des bonnes offices affectée par les autorités locales. Suite à ces affrontements d'une violence inouïe intercommunautaire, les autorités locales ont pris les nouvelles dispositions pour garantir la sécurité et la quiétude des boutiquiers. Tombouctou, région affectée par le terrorisme activant sur son territoire et qui s'étale tout au long du Sahel. Parmi les nouvelles dispositions prises dans l'urgence, le rapatriement des familles qui se sont cachées de peur d'être tuées. Le gouverneur de la région, Bankoum Kanté, s'est engagé personnellement à sanctionner les auteurs de ces troubles ayant fait, rappelons-le, 2 morts et de prendre en charge les blessés. Cet incident n'est pas le seul à se produire à Tombouctou. Entre-temps, un autre incident a éclaté. Un militaire porteur d'uniforme dans le même quartier d'Abaradjou a été tué alors qu'il ravitaillait ses camarades. Les militaires se sont précipités sur les lieux voulant venger leurs camarades. L'intervention du gouverneur et des sages de Tombouctou a fait éviter le pire et une effusion de sang qui se profilait à l'horizon. Ils ont réussi à calmer les militaires au moment où la tension restait toujours vive. Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga regrette les sanctions de la CEDEAO contre 149 personnalités de la transition. La semaine dernière, la CEDEAO avait établi une liste de personnalités du gouvernement malien et du Conseil national de transition visées par des sanctions individuelles. Le Premier ministre déclare, je cite, « Le Mali est malade, agressé, affaibli, tombé ». Et même humilié. Et c'est dans ces conditions que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest nous sanctionne. Fin de citation. République démocratique du Congo, 2 jours sanglants à Ituri, dans l'est du pays. Des attaques ont été perpétrées dimanche et lundi. Bilan, 29 morts selon la société civile. Ces attaques auraient été perpétrées par les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo. Souhila Kilal. Au moins 29 civils ont perdu la vie suite à des attaques terroristes perpétrées dimanche et lundi dans la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. 7 corps sans vie ont été découverts dans le village de Donga et 22 autres à Drodro. Selon la société civile, des miliciens du groupe armé Codeco s'en sont pris à un camp de déplacés qui abritait 16 500 personnes qui avaient fui les exactions dans leur village depuis 2020. Le camp de déplacés a été incendié et les habitants ont fui ces localités vers la localité de Ro, où se situe une base de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, seuls 12 corps des déplacés qui ont été tués par les miliciens ont été retrouvés. Depuis le mois de mai dernier, l'état de siège a été décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu par le président Félix Tshisekedi pour tenter de mettre fin aux violences qui secouent la région depuis des décennies et neutraliser les nombreuses milices et groupes armés qui y sévissent encore. La mesure a consacré le remplacement des civils par des officiers de l'armée et de la police à des postes politiques et administratifs. Au Burkina Faso, 19 personnes sont mortes et dont 9 soldats dans une attaque contre le détachement de la gendarmerie de Foubé, une attaque perpétrée par des individus non identifiés. Cet événement est survenu une semaine après l'attaque sanglante contre le détachement de gendarmerie d'Inata dans la province du Soum. La séance plénière du Parlement consacrée aux questions au gouvernement sur la situation sécuritaire initialement prévue pour aujourd'hui a été reportée à vendredi.
Pas de commentaire de Riyad, mais une réaction immédiate au Yémen suite aux attaques perpétrées il y a deux jours pour parler Houthi contre des cibles saoudiennes. La coalition arabe a riposté contre le mouvement Houthi dans la nuit en attaquant la capitale du pays. Safwan Ben Sabri. Après les attaques aux drones effectuées par les Houthis il y a de cela quelques jours, c'est au tour de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite de riposter. De violentes explosions ont extirpé la capitale Sanaa de son sommeil dans la nuit du lundi au mardi 23 novembre. La télévision saoudienne a fait savoir que la coalition menée par le commandement saoudien, qui intervient au Yémen, a mené des frappes aériennes contre les cibles militaires légitimes des Houthis dans la capitale yéménite. La même source a précisé que l'opération a visé et détruit des sites secrets de missiles balistiques, dont une cible de grande importance dans le quartier de Dabhan au nord de Sanaa. Le commandement militaire saoudien a précisé que des mesures de précaution ont été prises pour épargner les civils et éviter les dommages collatéraux de l'opération sans fournir de plus amples détails. Il n'y a eu aucun commentaire immédiat de la part du groupe Houthi sur ce qui a été annoncé dans le communiqué de la coalition. Le Yémen est le théâtre d'une guerre qui persiste depuis près de 7 ans et qui a coûté la vie à 233 000 personnes selon l'ONU, dans un pays où 80% de la population dépend de l'aide pour survivre, dans la plus grave crise humanitaire au monde. La Jordanie et les Émirats arabes unis et l'entité sioniste ont signé un protocole d'accord pour la construction d'installations d'énergie solaire et de dessalement d'eau qui permettront une réponse commune au défi de la crise climatique. Cette déclaration stipule la construction d'installations en Jordanie pour produire de l'énergie verte qui sera exportée vers l'entité sioniste d'une part et d'autre part la construction d'une usine de dessalement d'eau basée dans l'entité sioniste qui exportera vers la Jordanie. En Iran, 9 gardiens de la révolution ont été tués dans des affrontements directs avec les forces américaines présentes dans les eaux du Golfe Persique. C'est ce qu'a rapporté le commandant de la marine des gardiens de la révolution, Alireza Tangsiri, sans mentionner l'heure ni la durée de l'attaque. Direction l'Allemagne, le ministre allemand de la Santé appelle l'ensemble de la population allemande à se faire vacciner et à faire des rappels. Les cas actifs de Covid-19 ont atteint le record de plus de 600 000 patients hier, un chiffre qui a dépassé les pics des 3 précédentes vagues de la pandémie. Le taux de vaccination en Allemagne reste loin de l'objectif de 75% fixé par le gouvernement. Seulement 68% de la population du pays ont été entièrement vaccinés contre le Covid-19, soit 56,6 millions de personnes. Covid-19 toujours. Après la Guadeloupe, c'est en Martinique que l'opposition aux mesures sanitaires s'intensifie. Le gouvernement a été contraint de reporter l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale des soignants au 31 décembre prochain, alors que dans l'Hexagone, le taux de vaccination s'élève à 89% pour les plus de 18 ans. Les Antilles sont à la traîne en Martinique. 39,4% de la population présente un schéma vaccinal complet et 36,39% en Guadeloupe, des taux faibles dans ces territoires qui détiennent les plus hauts taux de mortalité hospitalière. En Bulgarie, où un tragique accident de la route a coûté la vie à au moins 45 personnes, dont 5 enfants, dans la nuit de lundi à mardi, le drame est survenu sur l'autoroute près du village de Bosnek, à 40 km au sud de Sofia, lorsque le bus transportant les victimes a heurté la glissière de sécurité pour une raison encore indéterminée avant de prendre feu. 7 personnes ont réussi à sortir par l'arrière de l'autocar. Il s'agit du plus grave accident de bus jamais survenu en Bulgarie, selon les autorités. José Antonio Caste et Gabriel Boric, c'est la tête d'affiche pour le deuxième tour des élections au Chili. Ce dimanche se déroulait le premier tour du scrutin, un des plus conflictuels depuis le retour du Chili à la démocratie en 1990. Retour sur ce premier tour avec Amel Amzian Zitouni.
Les Chiliens ont décidé d'envoyer José Antonio Kast, candidat de l'extrême droite, et Gabriel Boric de la gauche au second tour de l'élection présidentielle. Le duel à distance pour le poste suprême aura lieu le 19 décembre, après avoir recueilli respectivement 27,9% et 25,8% des voix, après dépouillement de 98% des votes, selon la commission électorale chilienne. Près de 15 millions de Chiliens sont appelés à élire le successeur de Sébastien Piñera qui prendra les rênes d'un pays en pleine tourmente après la crise sociale qui le secoue depuis 2019. Entre un ancien leader étudiant de 35 ans qui se décrit comme écologiste, féministe et représentant d'un grand nombre de mouvements sociaux à l'origine des mouvements de protestation et un avocat de 55 ans, ancien député, nostalgique à la dictature d'Augusto Pinochet, les Chiliens doivent choisir. Devant le candidat de 35 ans, Gabriel Boric, qui s'est engagé à mettre au rebut le modèle économique en promettant de mettre en place un impôt sur la fortune, une éducation de qualité, de meilleures retraites et une réduction du temps de travail hebdomadaire, le quinquagénaire José Antonio Kast, quant à lui, prône le discours sécuritaire et anti-immigration. Il a déclaré vouloir que la police ait le droit et le devoir de faire face aux actes de vandalisme. Le pays d'Amérique du Sud entame un processus de rédaction d'une nouvelle constitution quelques jours seulement après que le Sénat ait décidé la suspension d'un procès en destitution visant Piñera pour son implication dans le ventre controversé d'une société minière par l'intermédiaire d'une entreprise appartenant à ses enfants. Les élections au Chili se déroulent dans un contexte agité rythmé par une grave crise sociale et économique. Rationaliser la consommation du gaz et de l'électricité, préserver les ressources énergétiques en allant vers l'utilisation des énergies renouvelables. Le gouvernement algérien se penche sérieusement sur la question. Le président Abdelmadjid Tebboune l'a bien précisé lors du dernier Conseil des ministres en donnant des directives. Exemple, toutes les municipalités dans le pays doivent utiliser l'énergie solaire pour l'éclairage public. Commentaire de Mohamed Ouali Benchapen. En application des ordres du président de la République Abdelmadjid Tebboune, les nouveaux maires qui devraient être élus samedi prochain seront confrontés à un nouveau défi, celui de transformer l'approvisionnement en électricité des communes et certaines institutions publiques des énergies traditionnelles vers le solaire. Des chiffres du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire révèlent que les communes consomment en électricité l'équivalent de 2700 milliards de centimes annuellement, dont 1500 milliards sont consacrés à l'éclairage public. La consommation d'électricité des communes représente 8% de la consommation nationale, coûtant aux collectivités locales en un an une facture de 27 milliards de dinars. La consommation dirigée vers l'éclairage qui s'effectue à travers 3,2 millions de poteaux électriques consomme 2,8 milliards de kilowattheures, soit l'équivalent de 15 milliards de dinars par an, ce qui représente 60% de la consommation d'électricité municipale. Les écoles primaires, estimées à 19 500 établissements, consomment 0,3 milliard de kilowattheures, soit 6,2% de l'électricité consommée. En termes des coûts, cela représente 9% de budget. Les mosquées au niveau municipal consomment 0,5 kWh, soit 10% de l'électricité municipale et 11,2% du coût total payé par les présidents des APC chaque année. L'économie de 2 milliards de mètres cubes de gaz destinés à la production de l'électricité permettra d'injecter jusqu'à 60 milliards de dinars dans le trésor public. Quelques jours nous séparent d'un événement commercial international, le Black Friday. Originaire des États-Unis, cet événement a réussi en l'espace de quelques années à se faire une place de choix dans plusieurs pays du monde, l'Algérie y compris. Redine Batache. Le secteur du commerce sous sa forme classique prend un coup de vie en Algérie depuis l'émergence des réseaux sociaux et du paiement électronique. L'âge d'or de la communication 2.0 a ouvert grand les portes d'une nouvelle ère commerciale symbolisée par le Black Friday
ou Vendredi Noir, une journée durant laquelle tous les achats sont permis. Il s'agit d'une méga promotion de vente flash qui ne dure que 24 heures, ou au plus, tout le week-end, mais qui promettent des prix cassés jusqu'à 90%. Vêtements, mobilier ou produits électroniques, vous n'aurez que l'embarras du choix. Mais comment cette pratique, au départ étrangère aux habitudes de consommation des ménages algériens, s'est-elle frayée un chemin sur le marché national ? Le Black Friday est une pratique commerciale qui a vu le jour aux États-Unis durant les années 60, mais ce n'est qu'à partir des dernières années qu'elle a connu un vrai essor, notamment durant le mois de novembre, où l'on voit apparaître diverses annonces sur des promotions flash, atteignant parfois les 90%. Du côté des opérateurs économiques présents sur la toile, l'on n'hésite plus à recourir à ce genre de méthode pour booster les ventes, notamment en s'adressant à des cibles plutôt jeunes, que ce soit en période de marasme économique ou de faste. Mais gare à l'arnaque, plusieurs annonces circulant sur les réseaux sociaux sont trompeuses et font la promotion d'événements Black Friday qui en réalité ne sont qu'un appât censé attirer plus de clients. Entre réalité et intox, le fact-checking s'impose. Je pense qu'il s'agit d'une pratique plutôt louable qu'il faudrait encourager et soutenir, car cela pourrait promouvoir de nouveaux modes de marketing et de commerce vis-à-vis des consommateurs algériens, mais également promouvoir les marques et les produits nationaux. Propulsé par la vague du numérique et du digital, le phénomène Black Friday prend de plus en plus d'ampleur en Algérie et risque de sonner le glas des vieilles marmites en matière de commerce. C'est plus de 80 entreprises algériennes qui se sont donné rendez-vous pour la 6e édition du Salon Alges dédié à la sous-traitance qui se déroule du 22 au 25 novembre, un événement sous le slogan de la relance économique. Tinine El Makassi. La relance économique est au cœur de tous les débats et le salon de la sous-traitance n'est pas en reste. En particulier, les exportations qui s'offrent à ce secteur qui semble être concurrentiel sur le marché national. Nous employons en fait à faire en sorte que toutes les entreprises, disons, donneurs d'ordre, sous-traitants, qui sont aujourd'hui réunis dans le salon, au niveau du salon, il y en a 80 en fait, mais il en existe beaucoup plus. Toutes ces parties-là doivent travailler ensemble de façon à progressivement optimiser ce qu'on appelle les chaînes de valeur au niveau national. L'Afrique fait partie de ces régions visées par les acteurs économiques qui estiment que les conditions sont réunies pour devenir leader continental. Nous avons toutes les prétentions et nous avons toutes les potentialités pour aller en Afrique, dans le domaine que ce soit de l'exportation des produits industriels ou la sous-traitance. Pourquoi ? Parce que l'Afrique, c'est le point faible, le talon d'Achille de l'Afrique, c'est justement cette expertise et cette sous-traitance qu'ils n'ont pas. Tout est pratiquement importé d'Europe, de Chine et d'ailleurs et d'Asie. Je pense que nous avons une proximité. Nous avons un accord qui va être bientôt mis en œuvre, celui de l'ASDECAF, zone de libre-échange continentale africaine. Très appréciés en Afrique pour leur mobilité facile, les motos et tricycles font partie de ces marchandises que les entreprises algériennes envisagent d'exporter largement dans cette région. Effectivement, l'industrie algérienne a développé un savoir-faire grâce à ses collaborations avec nos partenaires internationaux pour développer l'industrie du motocycle en Algérie, notamment sur la fabrication des châssis et de la partie métallique du tricycle. Et avec l'intégration locale, un produit intégré 100% made in Algeria peut faire la concurrence en Afrique, notamment Afrique de l'Ouest, grâce à la demande sur ces produits. Ce salon a attiré un large public et a donné lieu à des réflexions pertinentes entre les différents acteurs économiques, mais aussi a attiré des esprits jeunes et novateurs venus exposer leurs créations. Et pour parler relance économique, nous avons avec nous Madame Wahida Chahab. Vous êtes la présidente générale de Cital. Bonjour Madame. Bonjour. Alors l'économie algérienne, comme toutes les économies du monde, a traversé une période, on va dire, difficile liée au contexte sanitaire. Covid-19 oblige. Qu'en est-il de la situation à présent ? Peut-on parler d'une réelle relance ? Exactement, l'industrie algérienne ou l'économie, elle a souffert beaucoup de cette pandémie, comme toutes les économies mondiales, parce que ça a impacté toutes les chaînes industrielles et économiques à travers le monde. Aujourd'hui, l'Algérie, elle a mis en place un plan d'action du gouvernement, donc en exécution des programmes de Monsieur le Président de la République. Et spécifiquement pour l'industrie, il y a des axes prioritaires et stratégiques
spécifiquement donc pour le climat d'investissement, dont le code d'investissement devrait sortir bientôt pour validation par les deux chambres. Il y a aussi le renforcement des capacités industrielles algériennes, les réformes bancaires qui deviennent une nécessité aujourd'hui. Il y a toutes les réformes structurelles dont le monde industriel a besoin aujourd'hui, au-delà des réformes conjoncturelles. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un plan de renouveau industriel en Algérie. Nous considérons que nous avons les capacités nécessaires. Nous avons les compétences nécessaires. Il faudra donc renforcer les capacités existantes, mais aussi mettre à niveau les différentes filières industrielles algériennes à travers le perfectionnement et miser aussi encore plus sur les TPE et les PME. Très bien. Parlons un peu sous-traitance. Pensez-vous que les entreprises algériennes devraient se diriger vers des marchés à l'international et notamment en Afrique, du moins pour certains secteurs? On est obligé, on n'a pas le choix. On devrait donc, pour un petit peu augmenter la valeur ajoutée de l'industrie au PIB, qui est aujourd'hui autour de 7%, qui est quand même très minime au sein de l'international. Donc l'Algérie devrait aller vers l'export, spécifiquement donc vers l'Afrique, qui est quand même un terrain d'une grande potentialité pour l'Algérie, à travers que ce soit les fournitures des biens, mais aussi à travers les prestations de services, parce que nous avons aussi des grandes compétences d'expertise en Algérie, surtout sur si on parle de secteur énergie, le secteur mine, mais aussi les secteurs donc agricoles. Très bien, merci beaucoup, Madame Wahida Chaabi. Je rappelle que vous êtes la présidente directrice générale de CITAL. Merci beaucoup. Voilà. Et nous passons à présent de la culture. Avant de clore ce journal, il y a tout juste 43 ans, l'Algérie disait adieu à l'un de ses monuments culturels. Hadj Mohamed Lanqa, le maître de la musique Chaabi, est l'un de ses précurseurs. Tout au long de sa carrière, l'artiste fera de ce genre musical une marque déposée. Kher Din Betach. Le 23 novembre 1978 est une triste date pour les amateurs de Chaabi, qui ce jour-là perdait l'une de ses plus hautes tourelles. Le cardinal, Hadj Mohamed Lanqa, de son vrai nom Mohamed Idir Aitou Arab, tire sa révérence. Le digne successeur de l'Hadj Mustafa Nadour aura marqué de son empreinte et de sa voix suave toute une génération de mélomanes et d'amateurs de ce genre musical. Maître incontesté de la musique populaire algérienne, Hadj Mohamed Lanqa révolutionna le Chaabi en l'élevant au rang de fen, l'art, son art. À travers son style innovant et ses mélodies, l'artiste va transfigurer le Chaabi en lui donnant des intonations jusque-là inconnues. Proclamé roi du Chaabi grâce à sa voix, Lanqa estimait que la musique n'a de sens qu'avec les paroles. Point de décantation entre ces deux piliers. Après plus de 50 ans de carrière, Lanqa animera les deux dernières soirées de sa carrière en 1976 à Cherchel, pour le mariage du petit-fils de son maître, et en 1977 à El Biar, chez des familles qui lui étaient très attachées. À l'aise sur leur site comme sur la chansonnette, il interprétera près de 360 poésies et enregistrera près de 130 disques, éternels jusqu'au bout des phalanges. Il laissera derrière lui un lourd héritage et une tradition fièrement portée par quelques-uns de ses disciples, à l'image de Kamel Bourdib. 43 ans après sa disparition, son œuvre et son répertoire perpétuent sa légende et font scintiller son étoile à chaque fredonnement de l'Hmam l'Herbetou ou de Subhanallah Yaltif, son cadeau d'adieu au Chaabi et à l'Algérie. Et c'est avec ces belles notes que s'achève ce 19h. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le bulletin météo présenté par Amel Amzien Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al24 News.